Je suis un homme qui caméra mutuna alors ça va. Messieurs. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo en général. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, et commandant des opérations, mon général. Monsieur le commandant de la force de la MONUSCO, mon général. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur le commandant adjoint de la 3e zone de défense, mon général. Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Goma ici représenté, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres des familles éprouvées, en cette circonstance extrêmement douloureuse, je prends la parole avant l'aumônier militaire pour lire à l'intention du peuple congolais et de l'opinion en général, de la population de la province du Nord Kivu, des forces armées de la République démocratique du Congo et des familles des héros à qui nous rendons les derniers hommages de ces jours, en particulier le message de compassion et de mobilisation de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations dans cette province. Voici l'intégralité de ce message stipulé comme suit. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations rend hommage aux braves et dignes soldats et officiers des forces armées de la République démocratique du Congo tombés, l'arme à la main, au champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire national. Parmi ces vaillants militaires fauchés par les ennemis de la paix à Kibumba et ailleurs, nous citons particulièrement le colonel Mushagalusha Birumana, le lieutenant-colonel Bitwene Nsengiumva, le major Ewayo Konzo André, le capitaine Mujinga Nkole Bonaventure, le capitaine Kambale Valanga Germain, le lieutenant Lukunku Nzama Simon, le sous-lieutenant Migi Mitima Diogracia, l'adjudant-chef Kitenge Mbayo Jean-Paul, l'adjudant Bangala Mayele Gabi, le sergent-major Ndaïsaba Bouirike Maombi, le premier sergent Baguma Piemora Patrick, le sergent Monga Kakese Alain, le soldat de première classe Niseimana Nyamazanza Jean, le soldat de deuxième classe Mbo Yemefuka, pour ne citer que cela. Ces obsèques
organisée ce vendredi 3 juin 2022 constitue pour le gouverneur, la communauté militaire et la population de la province du Nord Kivu la meilleure façon pour la nation congolaise entière de leur rendre les derniers hommages avec honneur et dignité. Leur mort est une perte immense pour les forces armées et la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des illustres disparus. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à l'opinion de faire attention aux rumeurs distillées par l'ennemi dans les réseaux sociaux et destinées à distraire et diviser la population, démoraliser les militaires engagés au front et jeter de l'opprobre sur les forces armées de la République démocratique du Congo. La mort de ces vaillants militaires renforce davantage la détermination et l'engagement sans faille des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre à tout prix notre cher et beau pays et les institutions de la République. Pour honorer la mémoire de tous ces vaillants défenseurs de la République tombés debout et l'arme à la main, tous, plus que jamais, et quoi qu'il en coûte, soudés et forts pour la défense de l'intégrité de notre territoire et la protection de notre population et de ses biens. Rien ne divisera les forces armées de la République démocratique du Congo. Fête à Goma, le 3 juin 2022, Ndima Kongwa Constant, lieutenant général. Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Excellences, messieurs les gouverneurs militaires du Nord Kivu et commandant des opérations, mon général, monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, monsieur commandant 3e zone de défense, ici représenté. Monsieur le commandant force de la MONUSCO, mon général. Monsieur le commandant corps des services de santé militaire, ici représenté, mon général. Messieurs les commandants 34e région militaire, mon général. Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise Nord Kivu, ici représentés. Messieurs les commandants 33e groupement naval, amiral. Monsieur le commandant secteur opérationnel Soukola de Nord Kivu, ici représenté. Messieurs les officiers, sous-officiers, gradés et soldats. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectives. Chers frères et sœurs, membres de la famille des illustres disparus,
que nous qualifierons aujourd'hui de héros. Chers compagnons d'armes, nous voici réunis en ce lieu pour rendre un dernier hommage et accompagner à leur dernier demeure nos frères et compagnons d'armes tombés tous sous les champs d'honneur par des balles des mouvements terroristes M23. J'ai cité le regretté colonel Mushagalusha Virumana Terranova Matricule 17 191 364 37 26, ancien chef escadre 34-08e régiment en date du 24 mai 2022 au mont Bizou à Kibouma. Lieutenant-colonel Bitweke Sengiouva Alexis, matricule 18-49-955-26-473, ancien commandant compagnie état-major service 1303 régiment infanterie, commandant du 28 mai 2002 à Lugal. Et enfin, le commandant médecin Kuchichi Nzima Ibe, matricule 19-221-201-67-80, tombé en date du 23 mai 2022 à Rougarie toujours. Beaucoup d'entre nous se poseront la question de savoir qui étaient les personnes que nous plairons aujourd'hui. En effet, le colonel Mushagalusha Birumana Terranova est né à Walungu le 19 mai 1970. Il est fils de Birumana Mutaraga, décédé, et de Michira Shagasha Leontine, décédé également. Il était originaire de la localité de Luhala, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Marié à la veuve répondante au nom de Mwanashaba Francine Arija et père de 6 filles. À l'issue de ses études primaires à Nyamikemba, secondaire à l'Institut social de Ngiringiri, évidemment à Kinshasa, il avait décroché son diplôme de licence en droit privé et judiciaire à l'Université de Kivu en 2020. Incorporé dans l'armée le 6 octobre 1991 à la 24e promotion de l'école de formation d'officiers, actuellement Académie militaire de Kanang. Lieutenant-colonel, par ordonnance numéro 10/082, en date du 31 décembre 2010, et le grade qu'il a emporté, le colonel, par ordonnance numéro 21/045, en date du 15 juillet 2021. Il occupait successivement des fonctions ci-après. Chef escadre ex-82e brigade d'infanterie, chef escadre ex-802e régiment, commandant second chargé d'administration et de la logistique dans l'ex-501e brigade, et chef escadre 3408 régiment, la fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Étant militaire, l'illustre Duspari a participé à plusieurs campagnes pour la défense de l'intégrité de notre beau et grand pays, notamment le mouvement de libération de l'Alliance
des forces démocratiques pour la libération. À partir de Kananga, là où il suivait sa formation à l'époque, à l'école de formation d'officiers, jusqu'à entrer en Kinshasa en 1997. Il a aussi participé à la guerre contre le mouvement CNDP en 2009. Notre compagnon d'armes a aussi participé à la guerre contre le mouvement M23 en 2012, qui a été défaite à l'époque de feu général Bahouma ici au Nord Kivu. Il a également aussi participé à la guerre contre les différents groupes armés locaux qui pullulent dans notre province du Nord Kivu. Notre compagnon d'armes, le lieutenant-colonel Bitwege Sengiouva Alexis, il était né à Kahoholo le 12 mai 1984. Fils de Rubibi Ruaguruka, il est en vie, et de Anna Nandamishwa, en vie également. Originaire du secteur de Bafulero, territoire d'Uvira, province du Sud Kivu. Il était marié et père de 3 enfants, dont un garçon et 2 filles. Comme études civiles, notre compagnon d'armes était diplômé d'État en pédagogie générale. Incorporé dans l'armée à Minembwe le 14 septembre 1999, il a gravi les grades, notamment les grades de major, nommé par l'ordonnance numéro 16/078 en date du 10 octobre 2016, et lieutenant-colonel, les grades qu'il a emportés, il a été nommé par ordonnance numéro 21/0445 en date du 15 juillet 2021. Il a exercé plusieurs fonctions, notamment chef de peloton FU, chef de peloton fusilier, commandant des compagnies fusilières et commandant des compagnies état-major service au régiment 1303, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Enfin, notre compagnon d'armes, commandant médecin Bouchichi Nzima Ibert. Il est né à Manono le 5 février 1992, fils de Bouchichi Eugène. Il est en vie et de Mian Antoinette en vie également. Originaire des collectivités de Bouisha, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, de son vivant, il était célibataire. Études civiles faites, il a commencé par l'école à Kamina dans une école maternelle dénommée Sophie. Et puis l'école primaire à l'école Saint-Bavon, toujours à Kamina. Études secondaires, il est allé les faire à l'ICASI, à l'Institut Moulima d'Athénée, section littéraire. En 2008, universitaire dans la science biomédicale à l'université de Lubumbashi, INILU, pour terminer son cycle de doctorat en médecine à l'université Baptiste du Congo, IBC en sigle. En 2018 et 2020, entre ces 2 années, il fut affecté comme médecin stagiaire pour le training à l'hôpital général de référence d'ACO de l'ICASI. Ensuite, dans un centre médical dans la commune de Kikula, toujours à l'ICASI. Vers 2020, il fut affecté à l'hôpital de Mita, toujours au Haut-Katanga. Au début de l'année, il a commencé comme médecin au centre de formation de recrues au camp de l'école du génie à l'ICASI, où il a été recruté
et incorporé à la base militaire de Kamina le 25 février 2021 et presté sur place comme médecin traitant à l'hôpital sanatorium de la base de Kamina. Le docteur Boutichi Nzima Ibert était présélectionné cette année parmi les viviers de la 34e région militaire pour aller se perfectionner à l'art militaire à l'Académie de Kananga, Académie militaire de Kananga, session spéciale, afin de décrocher son grade de sous-lieutenant à l'issue de cette formation. Mais, hélas, le destin a prévu ce que nous vivons aujourd'hui. J'exprime ici les compassions du chef d'état-major général des forces armées de sa haute présence, cérémonie funèbre en particulier, et des militaires de la 34e région militaire en général à vos égards face aux douleurs que vous éprouvez en ces moments. Telle est évidemment la loi de la nature, dit-on par les chrétiens dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 2, je cite, « Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Fin de citation. Très chers compagnons d'armes, Mushagalusha Birumana Teranova, mon colonel, Bitwene Sengiuva Alexis, mon colonel, et Bouchichi Nzima Iber, docteur, vous nous quittez à fleur d'âge, au moment où la nation avait encore besoin de vous pour continuer à participer à la pacification de cette partie névralgique du pays. Nous nous plions à cette dure et irréfutable volonté de Dieu. C'est le maître des temps et des circonstances. Adieu. Adieu. Adieu, chers frères. Paix à vos âmes et que la terre de nos vous soit douce et légère. Musique. Nzambe kwa kujibu kwa maamuzi ya Mungu. Pete Nzambe alobi ete toutaki na mebele. Mungu alisema tulitoka kwenye udongo. Pete kufunga na mabele. Tutarudi tena kwenye udongo. Ya mipale biso to peskata kindai. Ya pili sisi tulilapa. Ete tokoa pona ekolo. Tutakufa kwa ajili ya taifa. Na oyo tokufu bande kwa kufi lelo. Na kifo ambako wandugu wamekufa leo. Bakufi wazaliko sale kobote. Hawakufa kwenye uzinifu. Bakufi wazaliko ibate. Hawakufa kwenye wizi. Wazaliba kuperde rutete. Hawakokuwa wabandia bana. Mebakufi pona kukokisa mukano. Wamekufa kwa kueneza ahadi. Na yango esengeli tose pela mingi. Na njua inapashwa tufurahi sana. Wete riso baza kumba. Kwa sababu sisi maskari. Lotomo tokoleka kaka na kati na zela oe. Ni kusema tutaipitia tu njia hii. Peso ki ozari soda. Na kama wewe ni askari. Ozari kobanga kukufa na kati na vitumba. Ukona ogopa kukufa kwenye shamba la vita. Na kukiko senge pali na otike la biso teni.
Naweza kuomba kwako uache teni yetu. Opesa liso munduki. Utupatie silaha. Ozonge pae na bindu. Urudi kwenyu nyumbani. Nesuki toko kufa ya kati na zela oyo. Kama tutafariki kwa njia hii. Na sana kondima ete yola toko kota. Ninakuamini ya kwamba mbingu tutaingia. Pensambe akowate la mabota oyo potiki. Na Mungu atachunga familia ambazo tumeziacha. Kwete ngai na kati na musale na ngai na soda. Kwa sababu mimi ndani ya kazi yangu ya jeshi. Na mwana kasuki na kufi na malate. Naonaka nikifariki na magonjwa. Efalo kola lipabe. Ni kama mikoshi. Pona senga kangwe pana zambi. Kwa sababu sikuiomba kwa Mungu. Nesuki na kukufa na zariko defame. Kama nitakufa niko natetea nchi yangu. Na yebi ete zambi na likolo akosalilangole. Najua Mungu wa mbingu atakuwa pamoja nami. Tuko umelete. Hatutagawia. Tukotanga makomimo santu. Tutasoma maandiko matakatifu. Okay, kotika omopro fosa na vale au tanga la viso. Lakati na mukanda ya Samuel chapitre 15 verset 18 jusqu'à 22. Premier livre à Samuel, chapitre 15, verset 18 à 22. Nakutanga na komo na Yesu Kristo. Amen. Apesa ki yo motindo te obumela ye Bamalek nyoso po basala ki masumu obundisa bango titango. Bakosi la nye, pona nini otosa ki mitendo na yawete, pona nini okamata ki biloko oyo, umona ki kuna, pe osala ki makambo oyo, ezali mabena miso na yawe, Saulo azongisi, na tosa ki mitendo na yawe, na kende ki ndenge, alobaki nangai, na bomela ki ye Bamalek, nyonso, na yaki ata ya bobele na mokonzi na bango agaga. Kasi basoda baponaki bameme na bangombe ya kitoko na kati na banyama oyo balingaki koboma pona kopesa maboza na yawe zabe na yo awa na kita oyo ezali lumayazi.